Salut les amis, c'est Jobac67 pour une sortie détection. On est dimanche 24, il est 5h. Donc ça fait 1 heure que je suis allé dans une forêt et je me suis un petit peu ennuyé. Surtout que ça fait déjà un moment que j'ai plus sorti, donc forcément dans les pâturages, toute l'herbe elle est bien haute, donc il faut respecter ça. Donc déjà pour les paysans aussi. Donc je suis allé dans une forêt, puis là les choses entre guillemets moyenne, les voici. Donc il y a ici trois choses. Après un petit peu, donc il y a encore ça, un petit peu plus intéressant. Donc une balle de mousquet. Et juste à côté de ça, j'ai sorti ça, ce que je croyais que j'étais juste un simple étui. Et puis en fait, c'est un allume-cigarette, donc des allumettes quoi. On les voit dedans, donc bon, c'est un petit peu déjà défoncé, hein, vu les années qui étaient terre. Mais je vais essayer de nettoyer au mieux. Puis mais bon, dommage parce qu'il manque sûrement ici le bouchon, j'ai pas trouvé. Et là, j'ai venu dans cette forêt ici. Elle est pas très grande non plus. La route elle est juste en bas, ma voiture elle est juste là, puis là il y a le communal, et bon bah l'herbe elle est trop haute, puis il fait trop chaud, donc et là j'ai sorti une douille, c'est sûrement une seule là que je vous ai montré avant, et là un son à 59, et elle est là, cette petite chose. Et voilà, c'est sûrement la chose la plus belle parce que là j'étais vraiment décidé à rentrer. C'est un bouton donc, allez, mise au point. Il a l'air génial, super beau, mais bon, la tâche il est cassé, dommage. Bon, du coup, ça me force entre guillemets à rester encore un petit poil là, histoire de voir si je trouve autre chose. On verra bien. Voilà les amis, donc je viens de remarquer que j'ai pas filmé. Et en fait, donc j'étais là-bas et je suis venu ici de ce côté-là, un peu à l'ombre. Et puis bon, je suis ici dans le communal où entre guillemets je m'en sors mieux. Donc j'ai bien commencé à vous montrer, à faire la vidéo, soi-disant la supposant vidéo. Ici, vous voyez, donc il y a une empreinte. Là, la deuxième. Et en fait, les deux, ils étaient collés là, comme ça. Vous voyez, ils étaient encore collés. Donc c'est 2-10 centimes. Donc j'ai sauvé ma sortie. Donc je vous montre à la suite. Alors me voilà. Et regardez là. J'ai dû utiliser la pelle, la grande pelle, parce que. Là voilà. Vous voyez. Et voilà, c'est bien sympathique ça. Une 5 francs, elle est prête à être utilisée. C'est cool. Donc je la mets là. Et donc ici c'était de la, donc la 20 centimes là, ici c'était de la lue, et on va boucher ça et on va regarder à nouveau s'il y a encore quelque chose. Je vous montre à la suite. Alors me voilà, et regardez là, j'ai dû utiliser la pelle, la grande pelle, parce que là voilà, vous voyez, et voilà, c'est bien sympathique ça. Une 5 francs, et elle est prête à être utilisée, c'est cool. Donc je la mets là, et donc ici c'était de la, donc la 20 centimes là, ici c'était de la lue, et on va boucher ça et on va regarder à nouveau s'il y a encore quelque chose. Oui, il y a encore un son là, donc je vous mets en pause et je vous montre après. À toutes. Et voilà, et elle est ici, la troisième. Voilà, donc une 10 centimes, c'est cool. Voilà. Voilà les amis, sortie terminée. Voilà, comme je vous ai montré ici les allumettes, donc le truc à allumer les allumettes. Donc je vais même pas m'amuser, je crois, parce que ça vaut pas la peine de le garder. Et sinon, je suis le roi des douilles, hein, parce que. Malheureusement, ma foi, quand il n'y a pas de son, j'ai essayé, hein, on ne sait jamais. Donc ça, vous voyez, hein, ça aussi, ça sonne très bien. Ça aussi, ça sonne très bien. Donc ça aussi, voilà. Donc, voici mes
J'ai trouvé donc un cadenas, enfin ce qui reste d'un cadenas parce qu'il n'y a pas cette partie-là. Il y a encore des douilles et des douilles. Je vous dis, je suis le roi de la douille. Je crois que je vais nommer cette vidéo le Douilleman. Allez. Peut-être que d'un coup je vais me changer de nom. Au lieu de mettre Joe Black 67, je mettrai Douilleman. Peut-être ça fera le mieux effet. Sinon, bah voilà mes trouvailles, donc les petites monnaies, là, les deux collées ensemble. 1985, 1919. Ici, la 20 centimes, donc vous l'avez vu. La 10 centimes, la dernière. Et la 5 francs, ça fait très plaisir. Donc celle-là, je vais bien l'utiliser pour la machine à café. Donc là, je vais encore le mettre dans un petit bol avec du vinaigre et puis du bicarbonate de soude. Et normalement, ils vont venir un peu plus blanches. Si je fais pas la vidéo avant, je vous mettrai donc une photo après pour voir comment c'est devenu. Hein. Donc je vais juste les tourner un peu pour que vous le voyez. Ce noir, je pense pas qu'il va partir, mais on sait jamais. Voilà. Donc voilà, vous l'avez vu d'un côté et de l'autre. Et ma plus belle trouvaille, c'est celle-ci, donc. Ce joli bouton. Voilà. Qu'au début, j'ai cru que c'était une monnaie parce que je la voyais un petit peu briller parmi les petits bouts de terre, donc. Et malheureusement, il n'est pas. La tâche, elle est cuite, quoi. Cuit-cuit. Donc, il est assez épais, il a son petit poids quand même. Hein. Voilà, donc tout de suite après, bah, vous voyez, ma caméra, elle est là. Salut les amis, c'est Joe Black 67. Donc, comme promis, je tiens le pari qui m'a lancé notre ami Budapest. Concernant le manger un citron. Donc ça va être le deuxième que je vais manger parce qu'en fait j'ai fait une vidéo en mangeant mon citron et je trouvais qu'on me voyait trop donc du coup j'ai décidé de la refaire. C'est ce que je suis en train de faire. Alors donc c'est des bio, ils sont assez amers. Parce que normalement c'est bien de les manger, enfin après le sport, c'est bien d'en manger, genre, j'en ai mangé assez régulièrement, en tout cas hein, après les efforts, des gros efforts. Mais là dans ce cas-ci, donc c'est un défi, si j'ai bien compris, concernant la leucémie. Donc je ne sais pas qui a lancé en fait la demande de faire un défi concernant les citrons. Mais je sais que d'après ce que j'ai entendu certaines vidéos, parce que forcément, je ne suis pas abonné à tout le monde, donc je peux pas. Des fois non plus, j'arrive pas à voir toutes les vidéos, donc voilà. Donc je sais que c'est concernant la leucémie, quelqu'un qui est sûrement malade de ce problème-là. Donc du coup, voilà. Donc j'accepte le défi volontiers. Par contre, franchement, je ne vais pas dire à tel ou à tel que de suivre le défi. Parce que tout simplement parce que comme je vous ai dit donc je ne regarde pas toutes les vidéos à tout le monde et donc je peux pas dire allez tel ou tel allez je vous lance le défi donc comme j'ai vu par exemple un exemple notre ami Liberty Detect il en a mangé 4, je crois si je me trompe pas et au bout du troisième forcément il en avait marre quoi c'est quand même assez acide hein. Voilà, donc du coup je lève le défi, pardon, et que tout le monde pense à ça donc dans le combat contre la leucémie, qui est une maladie du sang, si je ne me trompe pas. Bon, allez, on y va. Donc ceux qui regardent ma vidéo et puis qu'ils ont envie de faire le défi, ils ont qu'à simplement l'annoncer soit sur ma chaîne ou sur leur chaîne lors de leur vidéo, puis ainsi de suite, quoi. Allez, on y va, le premier morse. Purée. Ils sont vraiment vraiment très très acides. Donc comme vous avez vu la taille à mon avis tout simplement dans ma première vie on va dire mon père il était agriculteur et les citrons comme ça ils sont trop petits. Normalement je pense qu'ils n'ont pas assez poussé. C'est pour ça qu'ils sont amers, vachement amers quoi. Ah, oh.
Par contre, c'est vrai que dans les apéros, je prends souvent du martini blanc et une rondelle de citron, ça passe bien à la fin. Là, c'est ce que j'aurais dû faire, je pense. Mais on voit, il est trop jeune, ce citron, donc c'est pour ça qu'il est autant amer. Sinon, oh, ma foi, le défi est en train d'être levé. Donc, voilà les deux derniers. Oh, voilà. Donc, hop, pardon. Défi relevé. Donc, sincèrement, je souhaite que ce défi continue. Donc, c'est toujours au départ un défi pour la bonne cause, donc c'est-à-dire pour le combat et la recherche de la leucémie, donc contre la leucémie. Donc, sincèrement, donc je disais que s'il y a quelqu'un qui veut suivre le défi, je l'espère, et puis que soit comme je dis, donc dans ma chaîne, ils mettent un commentaire pour dire que je lève le défi, ou alors tout simplement dans leur chaîne. En même temps, j'aimerais bien savoir, c'est clair, mais si jamais, au minimum dans leur chaîne, quitte à qu'ils disent que Joe Black il a lancé un défi, et puis que vous avez accepté, puis voilà. Donc, allez. Donc merci, merci à tous d'avoir visionné jusqu'au bout, hein, parce qu'au départ c'est la détection et ensuite il y a le fameux défi. Et à tout bientôt pour de nouvelles aventures. Et puis voilà, donc si jamais vous aimez ce que je fais, bah, un pouce c'est sympa, un abonnement c'est encore mieux. Et sinon il y a la petite clochette que je ne savais pas trop, mais pardon. J'ai appris dernièrement que la petite clochette qui est à côté d'abonnement, si vous la cliquez dessus, donc chaque fois que je fais une vidéo, vous la voyez. Donc c'est un truc que je ne savais pas. Vous voyez comme quoi ça fait quelques années que je fais des vidéos et puis enfin je commence à comprendre certaines choses. Allez, ciao ciao, à une prochaine fois et merci à tout bientôt à tous et à tout bientôt. Allez, ciao ciao, bye bye.